Salut les gars, installons rapidement CodeBlock sur Linux. Ouvrez un terminal, voici les instructions à suivre. Premièrement, moi je suis déjà en super route. Les commandes ici, lorsque vous mettrez la première commande, sudo apt-update pour faire une mise à jour rapide, on vous demandera le mot de passe. Vous insérez votre mot de passe et le tour est joué. Faisons une mise à jour rapide, la mise à jour est effectuée. Ensuite, passons à l'instruction suivante qui est d'installer les outils essentiels pour CodeBlocks. Pour cela, on fait sudo, toujours commencer sudo apt. Si vous n'êtes pas en super route, vous commencez toujours par sudo pour permettre, pour donner l'accès. Alors, sudo apt install build dash essential. Ceci permettra d'installer les outils nécessaires pour CodeBlocks. Ok, c'est bon. Passons à l'étape suivante. Ici, vous pourrez toujours vérifier la version de votre GCC qui est installée sur Kali. Faites GCC dash version pour consulter la version de notre GCC. Ici, la version de GCC mise à jour sur mon Kali en 2022 est de 12.2.0. Ok, passons à l'étape suivante. Étape 3, faites un sudo, une nouvelle mise à jour, mais précisez apt dash get update à la suite. Encore un tour pour une seconde mise à jour pour accompagner l'installation des outils. Ok, étape suivante, étape 4. Là, on peut déjà passer à l'installation de notre code blocks. Faites sudo apt-get install code blocks. Install code blocks. Ok, on installe. L'installation est terminée ici. Ok. Là, nous pourrions déjà passer au lancement de CodeBlocks. Pour lancer CodeBlocks, il faut juste mettre CodeBlocks. On lance pour la première fois. Si vous avez installé pour la première fois, il y aura une autre interface qui va s'afficher. Vous cliquez juste sur OK pour continuer. Ensuite, vous aurez CodeBlocks qui est ouvert ici. Alors, merci et à la prochaine pour un nouveau tuto.